Pas de vaccin, quoi que ce soit. Je sais pas, Thank you.
C'est comme ça, quand on a déjà ça me déballe. Oh là là, ça rentre dans la sang. Oh, c'est ça. Thank you.
De la femme blessée, battue, injuriée. Vous ne pouviez plus, tant les heures sont lourdes au cadran de la vie, lorsqu'il faut exister. Quand ta Maria, oh, oh, oh. Je vous ai vu, Marie, ici et là encore, au travail, à la chaîne, ou sans travail du tout, exclue ou détenue dans la vie et sans âge. Je vous ai aperçu, Marie, c'était bien vous. Quand ta Maria, oh, 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 les collines, chance le vent, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera. Il m'a lavé par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Souligner encore après ma cousine qui a fait l'éloge de maman à l'église, quelle mère exceptionnelle, quelle mère merveilleuse qu'on a vue. Maman était toujours disponible, maman était serviable, maman se privait pour donner aux autres. Quand quelqu'un passait et puis on était à table à midi, toujours, jusqu'à avant de mourir, hein, elle disait toujours à la personne, est-ce que vous avez mangé? Venez manger. Et
quand mon frère lui disait, mais maman, est-ce que tu fais manger? Est-ce que vous savez si qu'elle a mangé pour pas mon nom? Il a sorti, moi, quand il a été moyen. Quand maman était déjà dans son lit le soir, à 83 ans de cette période, quand elle entendait du bruit, dans la, je n'étais pas encore entrée dans ma chambre, enfin elle m'appelait. Et quand moi j'allais, elle me dit oui, mais qui sont fait dehors toujours, beaucoup pour qu'elle dorme. Et d'autres fois, j'entendais le bruit, je rentrais, je vois qu'elle ne dormait pas. Et à ce moment, je m'approche, elle lui dit, mais qu'est-ce que pourquoi tu ne dors pas, qu'est-ce qu'il y a? Elle me disait oui, mais mon patron nous entrer. Et bien, je suis levé pour venir ressortir au café de Wawa. Et effectivement, je la trouvais, elle était assise, elle tenait la potence du lit, car elle voulait se lever pour venir voir. Et je disais, mon Dieu, c'est ça le cœur d'une mère. Moi, je n'ai pas eu d'enfant. Le cœur d'une mère. Et vraiment, maman était une mère exceptionnelle. Et je bénis Dieu pour cette mère qu'il nous a donnée. Que le nom de Jésus soit béni pour tant de grâce. Parce que maman, vraiment, même tout le monde l'aimait, ses petits, les petits. Il y a un petit, un arrière-petit, de quel âge a-t-il? 4 ans, qui est en fosse. Quand l'enfant a appris que maman est morte, et bien l'enfant a pleuré parce que sa mamie est partie. Tout le monde l'aimait dans le quartier. Elle n'avait pas d'ennemi. Et quand une voiture passait, elle disait, eh oh mon péronne, oh mon péronne, parce que tout le monde connaissait mon péronne. Maman, en fait, je n'avais pas dit que je n'avais pas oublié, on ne peut pas oublier une mère. Quel repos en paix. Il n'y a qu'une chose que je pouvais dire, on dit bien souvent qu'on peut recevoir des anges sans le savoir. Et je crois que maman, elle a dû recevoir des anges dans sa maison. Elle a dû recevoir des anges dans sa maison, sans le savoir. Allez en paix. À notre grand-mère. Et au lit,
Thank you.